Je crois que ce soir, vous allez entendre une chanson que vous avez composée sur l'orgasme. Alors justement, le Pierre Perret que vous allez retrouver ce soir sur scène, c'est vous, Pierre, dans les années, fin des années 70. Vous savez, c'était l'époque où vous aviez gagné beaucoup d'argent avec votre zizi. Mesdames et messieurs, Pierre, Monsieur Pierre Perret. Il y a autant d'orgasmes qu'il y a de paires de fesses. Ça va du plus petit spasme au grognement de tigresse. Il y a celles qui font oui oui et celles qui font non non, qui attaquent le bois de lit et font trembler la cloison. Et puis il y a Marie-Hélène qui à chaque fois me dit: la trottinette africaine, faut que je la montre à mon mari. Ah que c'est bon de mordre le polochon. Ah que c'est bon la baïonnette à tonton. Ah que c'est bon elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est bon, ah que c'est bon, 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 bon. Il y a autant de manières qu'il y a de professions. Celui de la charcutière ressemble au cri du cochon. L'orgasme de la fermière, c'est un bon cocorico. Et celui de la boulangère, remets-moi le bâtard au chaud. Et puis il y a Marie-André qui crie que c'est bon seigneur. J'essaierai avec un vrai quand je serai plus bonne sœur. Ah que c'est bon de mordre le polochon. Ah que c'est bon d'aller promener le dindon. Ah que c'est bon, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est bon, 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 bon. L'hôtesse de l'air ne crie pas, elle dit d'une voix posée: on est arrivé, tu vois, dehors il fait 3 degrés. La pompiste crie encore, je t'avais dit de me faire le plat. Et tant pis si ça déborde, je nettoierai à la main. Et puis y a Marie-Thérèse, celle qui rit évidemment, qui aimerait bien qu'on soit 13 pour que ce soit plus amusant. Ah que c'est beau, le mordre le polo chaud. Celui des Espagnols quand Conchita criolé, et l'orgasme sans parole avec les deux pouces levés. Les contractuels, on le sait, prennent leurs pieds dans la rue quand elle te met un PV, que c'est toi qui l'as dans le cul. Et tant pis pour le procès, il y a celui de Bernadette qui dit: chichi, arrêtez de m'appeler Sarkozette. Ah que c'est beau de mordre le polo chaud. Ah que c'est beau de se faire chatouiller le colo. Ah que c'est beau, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est beau, bon, 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 bon. Ah que c'est beau de mordre le polo chaud. Ah que c'est beau de se faire chatouiller le colo. Ah que c'est beau, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est beau, et de rentrer à la maison. Vous voulez vous rencontrer peut-être pour vous dire ce que vous en avez pensé? Ah ben je vais lui dire ce que j'en pense, oui. On va y aller. Angèle, c'est par là, ah c'est ben par là. Assois-toi, mon Pierre. Eh ben. Mon cher Pierre, je suis très ému, là, vraiment. Alors, franchement. Ah, je ne pensais pas me voir aussi vrai. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver comme ça, face à soi-même? Ah ben, moi. Recule-toi un peu, tu me verras mieux. Recule-toi. Non, dans le fauteuil, recule-toi. Voilà, comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver? Ah là, je suis très impressionné. Face à soi-même, parce que moi, je suis le Pierre Perret des années 75-80. Oui. J'ai gagné beaucoup d'argent avec mon zizi. Mmh. Et ben, de l'autre côté du miroir, j'avais envie de te rencontrer. Et tu trouves ça. Tu trouves ça normal d'avoir gagné tant d'argent avec un. Bien sûr, parce que moi, je suis le. Enfin, j'ai gagné. Moi, le chanteur, je l'ai chanté. C'est toi qui as gagné le pognon. C'est pas moi. Non, mais moi, je sais que j'ai chanté le zizi, j'ai gagné tout ça, mais ce qui m'intéressait de te rencontrer aujourd'hui, c'est parce que l'homme, Pierre Perret, c'est forcément pas tout à fait le même que celui qui chante des conneries sur scène, ou des belles choses. Ah, c'est quoi la différence entre les deux?
Moi, je pense que, en fait, c'est le même bonhomme. Est-ce que je suis ton chanteur préféré ? Ah, moi, oui, bien sûr. Je suis ton chanteur préféré ? Ah, moi, oui. Oui, oui, absolument. T'as quand même une préférence. J'ai senti que l'homme avait quand même une préférence pour ce que, dans sa tête, il appelait l'engagement. C'est-à-dire que tu me fais chanter des choses contre le racisme, comme contre la connerie. J'ai l'impression que c'est ça que t'as le plus en toi, non ? Oui, je crois qu'avant tout, c'est ça même que je bride. Et je fais très attention à ça. Et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps pour essayer de mettre l'essentiel dedans. Mais dans des chansons comme Lily, justement, où La bête est revenue, tout le monde m'a dit, mais ça sert à rien, c'est, ce type de chanson, c'est obsolète, l'extrême droite, il n'y a aucun danger, etc., etc. Et j'ai dit, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est une épée de Damoclès qui est là tout le temps. Ces chansons comme ça, j'en ferai tout le temps. Et parce que la violence, ça fait peur à tout le monde. Même moi, je me suis fait casser la gueule un soir en sortant de gala. Je me souviens très bien. Oui. On m'a tapé dessus. Oui. Moi, Pierre Perret, le chanteur, hein, oui. C'est terrible, ça. Oui. C'est un truc de fou, ça. Et pour rien. Et pour rien, en plus. Sans savoir, comme ça, et gratuitement. Ça fait peur. Donc, ça fait peur. Je voulais savoir, le petit gars de Castelsarrasin, quand il se voit comme ça, chanter sur une scène, et quand il se parle là aujourd'hui comme ça, il a envie de se dire quoi ? Ben moi, j'ai envie de dire que tu as eu un sacré bol, mon salaud, de traverser la vie en faisant ce que tu avais envie de faire, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et si je te reconnais un seul mérite, c'est celui d'être opiniâtre et d'avoir jamais dérogé pour rien. Ni pour l'intérêt, ni pour la mode, ni pour rien. Justement, entre 75 et toi, tu es en 2003, je crois, c'est ça hein ? Oui. Qu'est-ce que tu dirais au mec de 75, la connerie à pas faire entre 75 et 2003 et à quoi il faut qu'il fasse attention ? Ben, je crois que déjà, une des principales causes, c'est l'intolérance dont on parlait tout à l'heure, puisque j'ai écrit autant de chansons que je pouvais sur ce thème-là, mais je trouve que le mépris de l'autre, c'est une des premières choses à combattre. C'est-à-dire... Moi, j'ai eu deux fois le prix de la LICRA. Je voudrais l'avoir... À vie Oui, à vie. Mais je voudrais qu'on n'en parle plus un bon coup. Je voudrais que oui, ça soit fini. Plus avoir le prix parce que voilà, ça n'existerait plus. Je voudrais plus avoir le prix parce que... C'est comme les Restos du cœur, ça ne devrait pas exister. Voilà, parce qu'on ne devrait plus avoir faim et on ne devrait plus se haïr comme ça. Je sais que c'est un discours oui, très angélique. Oui, c'est un peu utopique, hein, tu sais oui, que... Oui, non, c'est angélique. Il y a toujours des malades qui... Je pense que si on ne se bat pas... Et bien là, c'est là qu'il vaut mieux vraiment partir à la retraite. Peut-être finir par y arriver. Voilà. Dis-moi, c'est très gentil d'être venu te voir, de l'autre côté du miroir. J'espère que tu emporteras cette vision avec toi. J'avais un petit cadeau pour toi. Parce que c'est pas au chanteur que je le donne. Hein. Parce que tout le monde ici repart avec un cadeau. Tu vois ce que c'est ? Oui. C'est les balles de tennis, parce que je sais que tu joues bien. Parce que j'adore ça. Il faut que tu entretiennes ma santé. C'était ça, ou une bouteille de vin, c'est tout. Il faut que tu entretiennes ma santé. Oh, mais je ferai tout pour. Alors, j'espère que tu as passé un bon moment de ce côté-là. Oui, et très émouvant pour moi de te voir dans cet état-là et avec des questions aussi impertinentes. Tu te plais ? Oh, j'en connais des pires. Salut, mon Pierrot. Salut. Bon retour. Tu sors par là-bas. D'accord. Je te regarde sortir. Merci, mon Pierrot, d'être venu me voir. Ciao. Ça m'a fait très plaisir. C'est difficile de partir. Hein. Le travail de Brigitte, c'est fabuleux. C'est difficile de partir. Hein. Oui, c'est très difficile. Mais je partirai quand même.